Donc, voici André Santésila, président de Québec solidaire. J'aimerais savoir si tu aurais un mot à dire aux Rosemontois suite à cette marche pour la paix dans Rosemont. C'est sûr que je voudrais saluer l'initiative des jeunes, particulièrement ce que je comprends, d'avoir organisé cette marche pour la paix dans Rosemont, parce que c'est une excellente initiative pour mettre en lumière un problème de violence qui existe ici, qui exige non seulement une réponse de la police, mais aussi et avant tout une réponse de l'État en termes de services aux jeunes, à la jeunesse, pour leur donner un sens d'appartenance, une identité. Et qui fait en sorte qu'ils abandonnent la criminalité, le chemin de la délinquance, pour plutôt s'impliquer dans un cheminement collectif avec toute la communauté pour le bien-être collectif. Je pense que qu'est-ce qui est fait ici, c'est une preuve que les gens sont prêts à s'organiser et à dire au gouvernement, investissez dans les services sociaux, dans l'éducation, dans le secteur communautaire avant tout, pour prévenir la violence. Merci beaucoup, André.